Après le Forbes Adrien Nouvelle, il y a quelques jours, j'ai la chance d'être sur un nouveau circuit, cette fois-ci dans la région lyonnaise, le circuit du Lacay, pour tester non pas une voiture de tous les jours, mais une monoplace, une Formule Renault, dans le cadre d'un stage de pilotage proposé par CD Sport. 450 kg la voiture, 200 chevaux, 250 km/h en pointe. Je pense qu'on va s'amuser, j'ai jamais conduit de monoplace. Un baptême du feu qui s'annonce très spectaculaire. Allez, j'ai déjà la combi, il manque le casque. C'est parti, suivez-moi. La monoplace est une propulsion. Les roues arrière sont les roues motrices, donc les roues arrière vont pousser les roues avant. Je n'ai pas la clé sur le frein, donc le train avant va souffrir. Et à 30 km/h, les pneus vont faire le job. Mais à 40 km/h, vous allez avoir un phénomène qui s'appelle le sous-virage. Vous tournez les roues. Le premier repère, c'est le repère de freinage. Le deuxième, c'est le point de braquage. On va déjà très loin, on essaie déjà de prendre des informations. Et le point de tour, par contre, le virage est très accentué, avec le droit. Et voilà, je ressors de mes 18 tours de circuit au volant de ces formules Renault, monoplace de GP2. Des petits bolides impressionnants, c'est la conduite incroyable. On est au ras du sol, on va vite. On peut avoir l'impression, si on regarde des vidéos de caméras embarquées, que ça se traîne. Croyez-moi, ça va très vite. Et pourtant, on prend un plaisir assez hallucinant. Franchement, j'avais jamais conduit de monoplace. J'avais déjà conduit de la GT, j'avais déjà conduit de la Mustang. C'est juste impressionnant. Rien à voir avec ce que vous pouvez ressentir dans une voiture classique. Donc si vous avez l'occasion de participer à un stage CD Sport, un de ces quatre, ne vous privez pas. Ça sera vraiment une expérience que vous ne regretterez pas, surtout si vous aimez les voitures et le sport automobile. De mon côté, je vais aller me doucher quand même, parce qu'après 18 tours de circuit, autant vous dire qu'il fait chaud. Et puis dire au revoir à ces petites voitures et préparer plein de prochaines vidéos pour vous. Que vous retrouverez très bientôt sur masculin.com. D'ailleurs, je vous invite aussi à vous abonner et à lire tous les excellents articles qu'on va publier dans les prochains jours. Allez, à ciao !